Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Une grosse nouvelle en ce qui concerne Destiny, ça y est, la map donc est parue sur Twitter. Il y a des gens qui ont réussi à la trouver, à la poster sur Twitter. Donc la map du cuirassé de la ruche, hein, du Dreadnought en anglais. Donc vous voyez avec une map assez grande qui a l'air vraiment d'être aussi grande que le Cosmodrome. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on pourra se balader dans différentes zones, à peu près une dizaine. Donc il y a Altar of Oryx, pardon. Court of Oryx, le Mausolée, Mausoleum, Gateway, Ulbrecht, The Bridge, Dantalon Exodus V1, The Narthex, The Founts, The Asylum, et pour finir, The Hanging Crypts. Donc vraiment, une map qui a l'air plutôt pas mal, plutôt sympa, assez escarpée hein, par rapport aux autres maps qu'on connaît déjà, donc la Lune, etc. Là, ça a l'air d'être vraiment plus escarpée. Et je le rappelle, Bungie, enfin les développeurs ont annoncé qu'il y aurait de nombreux secrets donc qui seront cachés un petit peu à droite à gauche dans ce vaisseau. Donc ça, je pense que voilà, il va falloir un petit peu fouiller. En tout cas, voilà, c'est vraiment très sympa. J'attends vos ressentis dans les commentaires, ce que vous pensez un petit peu de cette map. Franchement, moi, je la trouve vraiment sympa. Ça change un petit peu. Ça a l'air d'être un petit peu plus escarpé et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les pieds sur ce fameux cuirassé de la ruche. Je vous laisse les potes, prenez soin de vous, vous inquiétez pas, on est toujours à la Gamescom, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, on a été pas mal pris, elles arrivent, ne vous inquiétez pas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss!